Hello les filles, alors on doit être à peu près mon 5 ou 6e unboxing. Alors je kiffe, hein, j'adore vraiment et j'aime bien partager ça avec vous, j'aime bien les retours, je vous remercie, je vous remercie. Donc c'est Valinette Diamond Painting, très pressée d'ouvrir ce DP avec vous. Je suis contente de vous retrouver, je voulais vous remercier pour tout vos encouragements, toute votre gentillesse. Et voilà, je voudrais. J'ai hâte de l'ouvrir en fait, hein, je vous le dis. J'espère que c'est celui que j'attends là, depuis un petit moment. J'avais eu des déboires là, il y a quelques vidéos dans. Oh là, il y a plein de choses là-dedans, c'est un peu large. Enfin, vous voyez le conditionnement, il n'y a qu'un seul rouleau normalement dedans. Enfin, voilà. Donc, on va arrêter le blablabla. Si il fait beau, et ça c'est hyper important, je suis dans mon petit atelier où je commence à plaisanter un petit peu mes vidéos parce que je suis tranquille, il n'y a pas mon vieux chien de 13 ans, j'ai deux malinois dont un retraité de la Marine Nationale et il respire très très fort et c'est un truc qui m'agace vraiment parce que on dirait que comme les enfants, et ça vous le savez toutes, ils adorent vraiment venir nous casser les pieds au moment précis où nous, on ne peut pas avoir de bruit autour de nous. Donc, mais c'est un amour, vraiment. C'est le meilleur chien que j'ai pu avoir de ma vie. Hey, yes, regardez. Hey, hey, devinez qui c'est? C'est Blanche-Neige. Waouh, avec le super toolkit. Alors, sympa. On va l'ouvrir. Donc, alors, toolkit avec la barquette blanche. Gros morceau de cire, hein, bien carré, bien gros. Pas radin. Stylet. Pas de multiplaceur. J'ai toujours peur quand je vois arriver cette pince en me disant oh, pourvu qu'il ne soit pas trompé, pourvu que ce ne soit pas des carrés. Et oui, Valinette n'aime pas les carrés. Et en fait, que quand elle n'a pas le choix d'en faire, et donc elle les fait, quoi. Hein. Mais c'est pas franchement ce qu'elle préfère. Bon, alors là, les sachets, les gars, voilà, les sachets. Alors, les sachets, c'est très simple. Il y en a 4. Et il y a je ne sais combien de couleurs. Donc, soyons clairs. C'est pas les 4 petits sachets. D'ailleurs, à ce propos, les sachets, je les prends maintenant chez Bureau Vallier en petit carton. Je les paye 4,89 €. Et il y en a 1000 hein, dedans qui sont conditionnés, je crois, par sachet de 100 par là. Et quelque chose de cet ordre-là. Et franchement, je ferai une vidéo sur ce que j'achète parce que pour conditionner et comment je conditionne. Voilà, et comment je prépare d'avance parce que je pointe tous mes DP à chaque arrivée. Vous étiez bien avec tout ce que j'ai déjà reçu en DP. Eh bien, on est mal, hein, si je regarde pas si j'ai un petit sachet. Alors là, on va peut-être pas tous les regarder, quoi que si on peut se faire plaisir. Parce que justement, voilà, quand vous recevez un grand DP comme ça, et moi j'adore ça, on a ce que certains appellent une feuille de route. Moi, j'appelle ça la légende. Alors déjà, c'est Blanche-Neige. J'ai envie de dire dans un vitrail ou dans le miroir. Je ne sais pas trop. Mais je la trouve super belle. J'avais un petit peu craqué. Je vous dirai pas chez qui je l'ai prise parce que j'ai pas le droit. C'est sur AliExpress. Hein. Quoique, je peux regarder là vite fait où je l'ai eue. Hein. Ça peut aller très très vite. Je vais vous dire ça là. Parce que comme elle est arrivée aujourd'hui, je dois encore avoir le message d'arrivée. Voilà. Donc voilà. Je l'ai acheté 16,66 € et le vendeur, comment tu t'appelles mon petit gars? Alors c'est sur Shop 28 35 071 Store. Voilà, donc j'ai déjà acheté chez ce vendeur, j'ai pas regretté, il y avait tout ce qu'il fallait, donc j'ai repris chez lui. Donc toujours hein, sur ces fiches là, j'adore parce que on sait plein de choses. Donc vous avez le numéro 1, donc la première couleur, le sigle qu'on va retrouver sur la toile elle-même, le 154 qui est la couleur DMC, le nombre de paquets que je suis censée trouver parmi tout le sachet qui se trouve là.
Voilà. Et le nombre de diamants qu'il y a que je vais utiliser. Donc déjà pour cette couleur-là, je vais utiliser 131 diamants. Oui, j'avais bien dit. Donc il faut que je pointe tout ça. Vous voyez comme par exemple du 310, j'ai 52 sachets de 310 pour 10 315 diamants à utiliser sur mon DP normalement. Donc ça commence à faire. Et donc là, on a 38 couleurs au total. Voilà. Alors je vous laisse regarder un peu les sigles. On les voit bien. Hein. J'adore. Franchement, si vous saviez avec quoi je fais mes vidéos, vous n'en reviendriez pas. Il est super, super ce portable. Et c'est pas un iPhone. J'adore le dire parce que, comme vous avez pu voir, j'ai un iPhone. Et j'en suis pas contente. Voilà. Alors, mes enfants m'ont dit, ouais, t'es trop vieille. Hein. Puis je leur ai donné. Et je leur ai dit, ah bon, et pourquoi il fait pas ça? Et pourquoi il fait pas ci? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et ils ont regardé et ils m'ont dit, c'est vrai, maman. Tu as raison, maman. Donc, on va peut-être pas... Enfin, je sais pas si on les sort toutes. Vous voyez, il y a des couleurs... Ouais, je vais essayer de sortir des couleurs chatoyantes. Bon, le noir, on est d'accord. Il y a 52 sachets de noix. Enfin, c'est pas du... Pas... Voilà, du 310. J'en ai un sacré paquet. Ah, il y a des petites perles qui tombent du 310. Mal emballées, je ne sais pas. Donc, je vais le poser sur le côté, là, comme ça. Vous voyez, hein, d'habitude, je ne fais pas comme ça. Ça, c'est du 934. On n'est pas loin du 939. Hein. C'est une espèce de couleur marron. Je ne sais pas si on la voit bien. Moi, je la vois super bien avec le téléphone. Hein. Enfin, la caméra. Hein. Voilà. Un bordeaux. Je dirais 20, un peu. Lit de 20. Il est super joli aussi. Et donc, après, on a des couleurs super sympas. Voilà. Turquoise. Un crème un peu rose. Je dirais parme. Ouais, par, pas parme violet, hein, je me suis trompée, parme c'est dans les violets. Voilà, ça c'est un espèce de gris marron, je ne sais pas si on le voit, mais il est un peu marronné. Ça c'est du blanc, hein, voilà, 38-65, c'est du blanc, bien blanc, et je le trouve un petit peu, à chaque fois je le trouve un peu, enfin il est brillant quoi, il est nacré, pour moi il est nacré un peu, mais il, je ne sais pas s'il est vraiment... Voilà, un bleu canard, toujours. Oh, j'aime le bleu canard. J'aime aussi ces couleurs-là, un petit peu. On les voit pas bien. On dirait que c'est des couleurs un peu turquoise, mais c'est plus dans les verts. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera de votre côté. Cacadois. Alors, pourquoi cacadois? Est-ce que les oies font vraiment caca de cette couleur? Mais qu'est-ce qu'elle vous raconte, Valina Diamond Painting? N'importe quoi. Bon, j'espère en tous les cas que j'amuse bien la galerie. Et que ça vous fait plaisir de rigoler un petit peu avec moi. Bleu, foncé, enfin foncé bleu, non, tout simplement. Rouge, vraiment rouge. Alors, hey, Spider-Man, les gars. Bleu et rouge. Ta-ta-ta. On arrête, Valérie, on arrête. Des bleus. Pas cacadois. Un espèce de marron. Voilà. Des verts, vous voyez, des verts différents. Hein. Vraiment différents, ils sont sympas, hein. Non, c'est chouette, c'est très très chouette, un espèce de vert menthe un peu, j'adore, c'est très joli, voilà, une espèce de, non pas vraiment, à la caméra là comme ça on dirait une couleur un peu, vous voyez, c'est plus ça en fait, si je le cache dans la lumière c'est plus ça, là on est encore dans les couleurs, j'ai dû les sortir déjà, hein. C'est des petits bouts, il y a des petits morceaux dans tous les sens, donc voilà, donc maintenant je vais vous, vous montrer la toile. Voilà, un petit peu morflé au bout, là. J'aime pas quand le tube va pas au bout comme il faut. Attendez, je vous montre l'autre côté. Ouloulou, quoi. Hein, voilà. Donc, hop. Alors, je fais signe de pas venir m'embêter, en fait. Je suis désolée. Alors, donc voilà, c'est pas bien, mais oui, j'avais pas le choix en fait, je vais partir dans pas longtemps, donc voilà, la petite photo qui est ici, hein. Très jolie, et donc j'ai pas beaucoup de place pour la déplier complètement, mais alors je répète, hein, on m'a bien dit de décoller les bouts comme ça,
pour que ma toile elle soit un peu moins raide, peut-être un peu plus souple aussi, qu'elle se détende bien, et je crois que ça marche bien quand même. Voilà, donc la toile a l'air super bien, enfin, franchement top. Voilà, hop, et effectivement, regardez, ça marche, hein. ça marche. Donc c'est quand même une toile assez grande, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer en fait. Voilà, hop, donc elle fait un 40 par 50 comme vous pouvez le voir, et elle est sympa, j'avoue, elle est sympa. Je la décolle en bas là, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, regardez, on voit très bien les cils, c'est vraiment parfait. Bon, je vais bien m'amuser avec le fond, hein. Le fond petit cœur, le fond petit cœur. Donc ouais, elle est très très sympa. Je vais pousser ça, hop, parce que je vais les laisser à plat. Donc voilà, alors pour Blanche-Neige, franchement, tip top. On va remettre le noir dedans. Voilà. Et oui, quelqu'un est arrivé et a tapé chez moi, donc on entend les chiens. Voilà. Et donc, je vais vous laisser sur ce, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je suis désolée pour le bruit de fin, c'est pas très cool. Je vous donnerai les liens si vous voulez pour ceci, mais je ne peux pas les donner sous mes vidéos. Donc, je vous fais un gros bisou pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.